Jean-Baptiste Modet, bonsoir. Bonsoir. Il y a un an, quasiment tout pile, nous vous recevions ici même pour la sortie de Matador Yankee, votre premier roman, publié déjà aux éditions Le Passeur. Un livre qui a eu un succès public et critique assez conséquent. Vous avez même reçu le prix Orange du livre au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé pendant cette année depuis notre dernière rencontre ? Ça a été la folie furieuse cette année. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez amusant. Bon, d'abord, bonjour à tous. Je suis très content que vous soyez venus aussi nombreux. Je suis content aussi, comme ça je ne vais pas tout de suite répondre à ta question. Oui, très bien. Je suis aussi très content de la vitrine qui a été proposée chez Mola. Ils ont affrété un immense porte-avions avec un escadron d'Antonov qui est resté presque une semaine en mer. Donc ça m'a fait très plaisir, donc merci. Et en plus, je me suis aperçu que le bleu de l'Antonov sur la couverture de Matador Yankee était assez proche du bleu de chez Mola. Donc ça, c'était pas prévu, mais ça tombe assez bien. Du coup, c'est assez joli. Enfin, c'est pas inintéressant. Du coup, avant de parler de Matador Yankee, je voudrais aussi parler de la couverture, parce que si je le fais pas maintenant, je pense que je le ferai plus. Et je voudrais remercier Damien Martin et Maria Frad qui m'ont concocté ce mélange à la fois radioactif et boréal. J'avais des idées un peu confuses, je voulais que ce soit à la fois très dense, très coloré, mais très lumineux. Alors bon, ça pour un graphiste, c'est pas forcément évident. J'avais pensé à cette pierre qui s'appelle l'aventurine, qui est une pierre verte, un peu un crépitement d'aventurine, parce que le mot me plaît beaucoup. Et je leur avais dit aussi que je voulais quelque chose qui s'approche de l'ouraline, parce que j'aime beaucoup ce mot aussi, et qui se rapproche de la phosphorescence de l'ouraline. Alors là, ils m'ont dit, bon, écoute, laisse tomber, on ne trouvera jamais. Et puis finalement, ils ont réussi à me concocter ce mélange, et voilà. Et je trouve que, enfin, j'en suis très content. Et plus le bleu mola, que je n'avais pas prévu. Alors ensuite, depuis un an, ce qui est bien, effectivement, c'est qu'on s'est quitté. Enfin, pour ceux qui étaient là l'an dernier, c'est plutôt agréable d'ailleurs de les revoir. On s'est quitté à un moment où j'évoquais le deuxième livre. Parce qu'il ne faut pas que je dise le second, on m'a bien dit de faire attention à ça. Donc le deuxième livre, où j'expliquais que ce deuxième livre allait se passer dans un tout autre univers que le premier, donc un tout autre univers que Matador Yankee. Qui se passe donc à la frontière États-Unis-Mexique. Donc celui-là se passe en Sibérie. Je ne suis absolument pas spécialiste de la Sibérie, mais je suis géographe, donc je peux faire semblant de bien comprendre comment fonctionne et comment ce qu'on peut trouver en Sibérie. Et c'était donc un défi littéraire complètement différent. Alors, Matador Yankee m'a permis peut-être de mener à bien ce défi littéraire. Effectivement, le prix Orange... m'a permis de prendre un tout petit peu confiance sur ma capacité à exprimer des idées qui ont été reçues comme telles par les gens qui vous lisent. Je fantasmais beaucoup sur la façon dont les lecteurs allaient approcher la réalité de Matador Yankee, et en fait on se trompe toujours. Ce livre, il a été lu très très différemment, et puis de temps en temps il y a des lectures, des lecteurs, des lectrices qui trouvent quelque chose qui me tient à cœur, au cœur du livre, et donc ça c'était ça m'a fait très plaisir. Ce qui m'a fait très plaisir aussi, c'est ce prix, le prix Orange, qui est donc un prix qui est décerné à la fois par des libraires, des écrivains et des lecteurs. C'est un processus assez long et qui a permis, on va dire, de rallonger l'espérance de vie du livre. Donc pas que son espérance de vie était limitée, mais il est vrai que j'ai eu le prix en juin et ça a permis d'exister encore au-delà de la rentrée de septembre, ce qui n'était pas forcément évident. Moi, je pensais que la rentrée de septembre balayait tout, même Harper, qui pourtant en a vu d'autres. Donc ce livre a résisté et... il a continué à vivre presque un an jusqu'à la sortie du deuxième. Donc ce soir, c'est pour le deuxième roman qu'on vous reçoit. C'est toujours un exercice difficile, surtout quand le premier a eu un succès public assez conséquent. Comment s'est passée l'écriture de ce livre-là ? Est-ce qu'il y a eu un blocage ou est-ce qu'au contraire, tout était déjà là, l'envie d'écrire et tout s'est fait de manière limpide ? Alors il y a un peu deux niveaux de réponse. Je crois que j'avais déjà apporté un élément l'an dernier que je vais répéter. L'idée des humains sur fond blanc,
c'était un peu pour répondre à une réflexion, une remarque qui m'avait un tout petit peu à la fois désarmé et titillé. Le manuscrit de Matador Yankee avait failli être publié par Albin Michel. J'avais inventé une mauvaise énigme l'an dernier pour ne pas citer le nom. Maintenant, je peux citer le nom. Et on m'avait dit par téléphone que si j'avais été américain, on m'aurait publié. Et cette réflexion, elle m'a beaucoup fait réfléchir en réalité, parce qu'elle m'a fait réfléchir sur la considération que des professionnels du livre peuvent avoir de la fiction. Et je m'étais même dit plutôt le peu de considération que des professionnels du livre peuvent avoir de la fiction. Donc j'avais été à la fois vexé et flatté en me disant bah, c'est pas mal si ça aurait pu ressembler à de la littérature américaine. C'était quand même un des enjeux du premier livre. Et comme j'avais pas du tout envie de faire croire que j'étais américain, puis avec mon accent ça aurait été très compliqué, je me suis dit, tiens, le second, je vais écrire sur un lieu, sur un endroit, parce que l'écriture des espaces m'intéresse, ou des territoires m'intéresse, je vais écrire sur un espace dans lequel j'ai jamais mis les pieds. Et très vite, j'avais envie d'écrire sur un espace, sur un territoire qui mette l'humain face à une sorte de rapport un peu primitif à la planète Terre, qui soit pas parasité par l'actualité, qui soit pas parasité par de multiples contingences qui sont les nôtres quotidiennes. Et je vois que dans la salle il y a des aventuriers, donc ça parle à certains. Il y a un rapport à la planète Terre qui est à la fois permanent en nous, mais qui souvent est oublié par nos modes de vie. Et j'avais besoin et j'avais envie d'écrire sur un espace, peut-être pas un espace extrême, mais un espace dans lequel puissent se glisser des relations entre l'homme et la Terre. Alors c'est un grand roman d'aventure, comme Matador Yankee qui était un western. Est-ce que là aussi, faire de la littérature d'aventure, un roman d'aventure, en 2020, c'est un choix délibéré pour se démarquer de ce que peut proposer la majorité des éditeurs actuellement. Qu'est-ce que ça dit aussi de faire un roman d'aventure aujourd'hui ? Je crois que ça part d'un malentendu qui est très ancien pour moi. C'est que pour moi, quand j'étais petit, le romanesque, c'était l'aventure. Et ce mot roman, pour moi, il était nécessairement chargé d'aventure. Donc des romans qui ne soient pas d'aventure, il y avait pour moi quelque chose d'un peu contre nature. Et je crois que ce malentendu, il a perduré beaucoup plus longtemps que prévu, parce que dans mes fantasmes du roman, se situe très haut le roman d'aventure. Parce que pour moi, le roman d'aventure, l'aventure, c'est ce qui arrive, c'est ce qui advient, c'est ce qui surprend. C'est également le destin. Il en est question un petit peu dans Des humains sur fond blanc. À un passage, il est question d'une diseuse de bonne aventure. Donc c'est la bonne aventure, là, c'est ce qui va se passer, c'est le destin, c'est la fatalité. Donc c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose d'assez naturel que le roman soit d'aventure. Après, j'ai conscience que des romans d'aventure aujourd'hui, c'est vraiment pas la majorité de ce qui s'écrit, voire même une toute petite minorité. C'est également pas forcément très courant d'écrire des romans d'aventure sur des espaces dans lesquels on n'est pas allé, parce que le roman d'aventure est aussi lié au récit d'aventure, où les personnes ont vécu en réalité les aventures qu'ils décrivent. Donc là, c'est pas ça non plus. Mais c'est une veine en fait, une ligne d'écriture qui circule entre les deux livres, c'est ce goût pour l'aventure qui pose des questions centrales à mes yeux sur la fiction. J'aime aussi les films d'aventure, j'aime les romans d'aventure, parce qu'ils ménagent dans le cours de l'histoire des surprises. Alors ça peut être... C'est un peu naïf comme réflexion. Mais finalement, ce n'est pas évident de ménager des surprises dans un format qui existe par lui-même. Dans un roman d'aventure, on sait bien qu'à la 10e page, le héros, il ne va pas mourir. Le livre, il en fait 150, il en fait 180. C'est la même chose dans les films. Hein, lorsqu'il arrive dans le premier quart d'heure de tous les James Bond, quand James Bond est en danger, il est évident, on sait très bien qu'il va s'en sortir. Donc là, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le ressort de l'aventure. Comment trouver le moyen d'écrire aujourd'hui un livre d'aventure, un roman d'aventure, qui puisse ménager de l'aventure dans un format qui est déjà prédéterminé ?
les héros, les personnages dont on parle au début du livre, si on les fait disparaître dans le premier tiers, c'est très problématique. Ça m'intéresse. Où se situe la surprise dans le roman d'aventure? Et pour moi, la surprise dans le roman d'aventure, j'aime la situer à un niveau beaucoup plus littéraire, qui est celui de la poésie et de l'humour. Donc l'aventure du roman d'aventure, elle se situe dans l'aventure littéraire face à la surprise que constituent la poésie et l'humour, qui sont masqués un peu dans les décombres du récit d'aventure traditionnel. Ça m'intéresse bien dans la dimension littéraire de ce que j'écris, enfin, dans les interrogations que je me pose sur à quoi ça sert d'écrire un roman d'aventure. Voilà. Donc il y a des prises de risques, il y a des blagues, c'est pas forcément conseillé de faire des blagues dans un roman d'aventure. Il y a des passages poétiques qui passent ou qui cassent, là aussi c'est une prise de risque. Je fais apparaître des personnages, on en parlait tout à l'heure, 20-30 pages avant la fin. Donc inventer de nouveaux personnages dans un récit d'aventure 20 pages avant la fin, ça dit quoi sur notre capacité à recevoir la nouveauté lorsqu'on est embarqué dans une histoire et tout d'un coup émerge un personnage? Est-ce qu'il sera important? Est-ce qu'il sera secondaire? Est-ce que potentiellement il peut être le personnage principal en arrivant 20 pages avant la fin? Voilà, ça m'intéresse. Alors moi, c'est un roman des humains sur fond blanc que j'ai lu effectivement au regard de Matador Yankee, et ce qui m'a frappé à la lecture de ce deuxième roman, c'est la construction du livre que j'ai lu comme une symétrie parfaite de Matador Yankee, une symétrie un peu différée. On n'est plus au Far West, on est au fin fond de la Sibérie, donc à l'extrême opposé sur une carte, effectivement sur un globe ça finit bien par se rejoindre. Les personnages féminins sont prédominants et sont beaucoup plus affirmés que ne l'étaient les personnages féminins de Matador Yankee. Et après, on reste évidemment dans la même écriture cinématographique, avec toujours beaucoup de rebondissements, mais dans une direction un peu opposée à celle qui a, finalement, au voyage que faisaient les personnages de Matador Yankee. Est-ce que cette construction-là, elle est volontaire, ou est-ce que c'est le hasard et l'aventure, en fait, de l'écriture qui pousse à ça? Alors, c'était une nécessité de prêter attention à la parité entre les hommes et les femmes. Non, la seule chose consciente de ce que vous décrivez, c'est l'envie de parler d'un espace qui m'était inconnu et ce que ça implique sur la capacité à écrire un récit vraisemblable, la question du vraisemblable. Dans Matador Yankee, je connaissais très très bien les lieux, je connaissais très bien cette frontière États-Unis-Mexique. Et en plus, c'est des sujets qui étaient très proches de mes travaux de recherche par ailleurs. Donc il y avait un enjeu à écrire un récit vraisemblable qui n'est pas du tout le même que d'écrire un récit vraisemblable qui se passe dans un espace que je ne connais pas, dans un environnement que je ne connais pas. Alors, ce n'était pas un défi, c'était l'envie de creuser ce qui crée le vraisemblable. Et le vraisemblable, ce n'est pas toujours la connaissance concrète, réelle, d'un espace que l'on connaît très bien. Le vraisemblable, il peut émerger, il peut surgir à partir de trois bouts de ficelle qui rencontrent un imaginaire que l'on a sur ces espaces-là. La Sibérie s'est très vite imposée pour moi, parce que je trouve que la Sibérie, tout le monde connaît la Sibérie. Peu y sont allés, mais tout le monde la connaît. On a tous des représentations de la Sibérie très fortes. C'est un espace qui est très marqué politiquement, qui est très marqué historiquement, qui est très marqué d'un point de vue environnemental. Donc on a tous une Sibérie quelque part dans la tête avec laquelle je me plais à jouer sur les stéréotypes des représentations, parce que moi-même, je n'y suis pas allé, donc je ne prétends pas parler d'une Sibérie plus réelle, même si je me suis beaucoup documenté pour justement pouvoir trouver cette distance-là. Mais ça m'intéressait que ce soit la rencontre plutôt de deux imaginaires, des Sibéries imaginaires qui rencontrent une Sibérie imaginaire de l'auteur, pour que finalement, dans une conception très ouverte de la littérature, pour que la Sibérie, qui sera la rencontre des deux, puisse réellement être construite un peu en commun. Et le titre, à mes yeux, le titre vient de cette idée-là, cette idée première des humains sur fond blanc, c'est que ce fond blanc,
Alors oui, c'est la neige, oui, c'est le fond blanc des grands espaces, c'est évidemment la couleur aussi du froid, donc c'est une couleur très adaptée aux conditions environnementales de la Sibérie, bien sûr. C'est aussi la page blanche, mais je ne voulais pas en faire une métaphore vraiment éculée sur la métaphore de la page blanche qui serait une surface qu'il faudrait remplir. Mais ce fond blanc, ce blanc, c'est aussi quelque chose qu'il faut combler. Et ce quelque chose qu'il faut combler, à mes yeux, c'est le véritable espace de la littérature à la rencontre du lecteur et de l'auteur qui se retrouve dans un espace intermédiaire. Et c'est bien pour ça que, à mon avis, le livre peut être lu très différemment, parce qu'on a chacun sa Sibérie. Et des retours que j'ai jusqu'à présent, le livre est sorti il y a une quinzaine de jours, je m'aperçois que le livre est lu très différemment. Certains me disent que c'est la rencontre entre James Bond et Fellini. Alors, je pourquoi pas ? Moi, ça m'intéresse bien. Et pas plus tard que ce matin, dans un article du Matricule des Anges, Dominique Osnac, le critique qui a rédigé l'article, parlait d'un roman shaker. Alors j'aime bien cette image, un roman shaker, donc qui mélange la satire, la fiction, la satire, le thriller. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait la satire. Je l'ai marqué et parce que j'ai incapable de retenir cette phrase, mais. En plus, je l'ai lu ce matin et elle me fait pas mal réfléchir parce que je ne m'y attendais pas à ça. Un roman shaker mixant tous les genres, la fable, le thriller, le fantastique, la satire, l'épopée. Ce nouvel opus aux accents surréalistes, on pense à Sur le fleuve amour de Joseph Delteille, est multivitaminé par des accélérations cinématographiques à la Mad Max, et infusé de soupe au canard des frères Marx. Alors, Mad Max et la soupe au canard des frères Marx, j'aime bien ce genre de retour, et je me dis que ce blanc, effectivement, il est comblé très différemment selon les lectures, et selon les lecteurs. J'ai eu des lecteurs qui m'ont dit « Ton univers est complètement déprimant, tous tes personnages sont abîmés. » Donc là aussi, je ne m'y attendais pas plus que Fellini ou James Bond. Il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse dans cette rencontre, dans ces blancs laissés dans le texte, dans le chapitrage, dans le fait de ne pas fermer la personnalité des personnages, qui permet d'interpréter les choses différemment, tout en gardant une ligne directrice du récit et de l'aventure qui se déroule, extrêmement serrée et construite. Alors avant justement de parler de ce qui se passe dans ce livre, des grandes thématiques qui y sont abordées et du récit en lui-même, ça va être une question piège à laquelle tu détestes répondre. C'est Jean-Baptiste Maudet, pouvez-vous nous parler et nous présenter les personnages de ce livre ? Oui, alors... Donc il y en a trois principaux, il y a beaucoup de personnages. Question piège, très délicate, oui. On peut peut-être commencer par Neva, et je crois que tu as envie de nous lire un extrait, justement. Alors voilà, en fait, une façon de ne pas répondre à cette question, c'est, on en a parlé juste avant, et ce n'est pas une mise en scène artificielle, c'est que je suis très gêné par cette idée d'écrivez les personnages, ou parlez-moi des personnages. Si on a écrit une histoire dans laquelle les personnages vivent, sont vivants, c'est très compliqué ensuite de les décrire en traçant un portrait de chacun des personnages. Et cette question m'a beaucoup dérangé sur Matador Yankee. Donc je me suis dit que peut-être la meilleure façon de parler des personnages, c'est tout simplement de voir comment ils entrent dans le récit. Donc il y a trois personnages principaux. Il y a Neva, qui est... quelques mots, qui est une jeune adolescente championne de patinage et passionnée par la danse et le chant. Je n'en dis pas plus. Il y a Tatiana, qui est une scientifique de Moscou, qui habite à Moscou et qui est spécialisée dans la radioactivité. Et il y a Hannibal, qui est un vieux pilote retraité de l'armée de l'air, un peu grincheux et intempestif, et passionné de Pushkin. Voilà. Alors, ces personnages-là... Je pense que pour les décrire, le mieux, c'est que je puisse lire quelques passages pour voir comment ils entrent dans le récit, pour en faire plutôt des personnages vivants à travers lesquels on est capable, nous, de lire leur personnalité, mais que je ne sois pas là pour vous décrire et vous faire une analyse psychologique et physique de ces personnages. Alors pour Neva, c'est facile, c'est le début. Donc c'est... Et puis chacun des chapitres porte le nom d'un personnage en réalité. «
Neva écoute toujours la musique très fort, le casque enfoui dans ses cheveux sombres. C'est le seul moyen pour elle de ne pas entendre les publicités qui passent en continu dans le supermarché. Au moment de la fermeture, quand le patron lui tend la liste du réassort, Neva se change dans la remise, enfile ses patins à roulettes, monte le son et le ballet peut commencer. Elle sillonne les rangs par ordre alphabétique, entre chats, déboulés, demi-pointe exercée sur le frein du patin, éblouissante arabesque en bout de ligne et retour. Les harengs, les cornichons, les saucisses, en moins d'une heure, tout est en place. Si ça n'est pas du goût de tous, son patron tolère cette fantaisie parce que Neva, pour le même prix, travaille plus vite en musique. Il s'approche d'elle et lui fait signe d'ôter ses écouteurs. Tu penseras aux concombres en tête de gondole ? C'est déjà fait. Ah ! Les kilomètres qu'elle parcourt entre les rayonnages l'aident à ne pas prendre davantage de poids. Il faut bien ça car il n'est déjà pas commode de la croiser dans les allées. Elle n'est pas vraiment grosse, mais massive, avec des hanches larges, un fessier de jument et des seins considérables. Tu as terminé alors ? Il ne me reste plus qu'un rang. Termine et c'est bon. Alors voilà pour Neva. Alors Tatiana, si vous me permettez, c'est un tout petit peu plus long, parce qu'elle ménage un peu son entrée. Il n'est pas question que des rennes radioactives se dispersent dans la nature. Depuis ce matin, au sein du service, ça n'arrête pas de sonner. Les fax déroulent des instructions qui débordent des corbeilles, les portables vibrent dans les complets vestons, les tambours de la steppe résonnent, le carillon des bambous teinte, les harpes japonaises couvrent le hennissement des chevaux, et quand une rivière se met à gronder, tel cri d'oiseau des lacs relance telle trompette, chant du cygne, bruissement d'ailes de l'alconoste, grenouilles, grillons, criquets, vif tempo de la mazurka, vrombissement d'insectes, aboiement de chiens, hurrah du cosaque, et certains téléphones imitent le son du téléphone. Malgré l'incapacité de ces sauvages, les derniers relevés qui viennent de Yakoutie indiquent bien une teneur en césium-137 très supérieure au seuil autorisé. Alors quoi ? Agir vite, confirmer les chiffres et abattre les troupeaux sans tergiverser. Après les diverses crises sanitaires qui ont sévi dans la région, on ne peut pas se permettre qu'une catastrophe de cet ordre fasse les gros titres. Les mamans reines au lait radioactif donnent la tétée à leur faim. On les voit d'ici, ces pauvres bêtes, en une des quotidiens, et quelques heures plus tard en photo dans le monde entier avec des yeux phosphorescents qui se moquent de la Russie. Oui, c'est loin la Sibérie, ça n'est pas une nouveauté. Les ordres ne sont pas faits pour être discutés. C'est même la qualité intrinsèque d'un ordre. Cette petite garce n'avait qu'à se montrer plus conciliante. Alors quoi ? Rappelez d'urgence Tatiana, qui prélasse son arrogance au bord de la mer Noire. « Allô Tatiana, je vous dérange ? Évidemment que vous me dérangez. C'est Olga du ministère, j'entends bien. Qui vous autorise à m'appeler sur mon portable ? On n'a pas le choix, le patron cherche à vous joindre. Allez-y, j'ai les pieds dans l'eau, gâchez-moi mes vacances. On a un problème avec les mesures du mois d'août. Où ça ? En Yakoutie, des rennes. Qu'est-ce qui leur arrive ? Ils ont attrapé froid ? Un problème de radioactivité. Apparemment, ce sont des fermes dans le nord. Ce doit être une erreur. Les taux dépassent de beaucoup la norme. Ils ont dû se tromper. Je dépose les chiffres sur votre bureau. Olga, ne vous précipitez pas. Je ne compte pas rentrer avant la semaine prochaine. On m'a dit de ne pas vous laisser le choix. Notre chef, je suppose. Oui, Karpov. Karpov a dit que c'était un ordre prioritaire. Il a dit aussi que je serais viré si je n'étais pas capable de vous faire comprendre la gravité de la situation. Quel taré ! Un ordre prioritaire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Prioritaire sur un ordre qui ne le serait pas ? Ne vous laissez pas faire. Vous savez qu'il se venge. Vous n'avez rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qu'on y peut ? Rien, on n'y peut rien. On n'y pourra jamais rien. Alors on fait quoi ? Eh bien, on fait ses bagages et on obéit aux ordres prioritaires. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si je reviens, c'est pour vous et pas pour ce taré de phallocrate incontinent. Vous devriez présenter votre démission. Vous savez très bien comment tout ça va se terminer. Quitte à se faire harceler, évitez ce pétomane ventriloque obsédé de la chatte. Vous lui direz de ma part. Voilà pour Tatiana. Et je me permets donc juste d'introduire la personnalité, je ne sais pas s'il faut dire comme ça du coup, de parler d'Hannibal.
Alors là, Tatiana va dans un bureau à Yakoutsk et, pour se renseigner sur ces chiffres inquiétants sur, sur ces rennes contaminées par la radioactivité. Et elle tombe sur un bureaucrate un peu caricatural qui lui propose une solution. D'abord, ce bureaucrate offre un petit hélicoptère à Tatiana pour lui signifier qu'il n'a plus les moyens de lui en donner un vrai. Et le dialogue, cette joute un peu entre les deux personnages, se permet de parler d'Hannibal, qui va donc être le pilote de Tatiana dans cette aventure. Vous pouvez garder l'hélicoptère. Je vous l'offre pour demander à vos supérieurs que l'on puisse disposer de davantage de moyens dans ce genre de dossier. Vous comprenez, c'est vexant à la longue. Vous voulez une bière ? Elle est brassée localement. Vous me la faites à combien ? Allez, je vous taquine. Humour Yakout. Nous avons un avion pour vous conduire et peut-être même un pilote. Mais restez calme, rien qui ne soit de première jeunesse. L'homme sort d'un tiroir une photo noir et blanc d'un Antonov et de son pilote posant sur le tarmac du centre aéronautique de Yakoutsk. Voici Hannibal. C'est ainsi qu'il souhaite être appelé. Allez comprendre. Pour l'instant, il est à l'hôpital. Il vient de se faire opérer de la mâchoire à cause d'une complication, une rage de dents qui s'est infectée. Il a fallu une anesthésie générale. Un homme de devoir. Il ne voulait pas courir le risque d'attendre et mettre en péril la mission. Le connaissant, il ne devrait plus tarder à être d'aplomb ou faire semblant de l'être, et il vous conduira ici, dans la ville minière de Nerkoïansk. Là, vous m'avez perdu. Non, là, je vous souhaite bonne chance. Notre pilote a mené son enquête. Il est tombé sur le résultat d'une compétition de patinage de vitesse junior du lycée Pouchkine, situé dans l'adorable bourgade de Nerkoïansk. Il est précisé dans un article de presse que le vainqueur fait partie de la minorité Younets et viendrait d'une famille de la toundra. Vous voyez où je veux en venir. C'est votre pilote qui recrute vos interprètes ? Voilà ce que l'article précise, vous apprécierez la prose. La jeune fille pétulante, arrivée en tête des épreuves de vitesse, a remercié papa et maman et s'est exprimée dans un russe remarquable pour une Younets, ce qui a semblé faire le bonheur de son institutrice. Mais vous l'avez repéré comment ? Internet, je veux dire votre pilote chargé des ressources humaines, dans un hospice de l'armée. Cette fois, vous me faites marcher. Comment dire, Hannibal n'est autre que mon paternel, voyez-vous. Il est à la retraite depuis peu et il se sent très concerné par les missions scientifiques dans le Grand Nord. Une passion soudaine que je me garde bien de comprendre. Je vous avoue que ça ne peut pas lui faire de mal de retourner dans un cockpit. Il n'est pas très adapté à la vie en société. En somme, vous vous débarrassez de lui. Voilà. Il n'est pas antipathique, il est insupportable. Ouais, je pense que là, les personnages sont vraiment bien plantés. Donc on comprend qu'effectivement, le personnage de Tatiana a obéi à un ordre, à une mission qui lui proposait de partir à la recherche un peu de Dahu, en fait. C'est des rennes radioactifs perdus au fin fond de la Sibérie. Ce qui est intéressant, et c'est au détour d'une phrase qu'on comprend, c'est qu'ils ont besoin d'un interprète. D'une interprète dans ce cas-là, qui va être le personnage de Neva, parce que les tribus locales ne parlent pas toujours russe. Alors, moi j'ai été très surpris en faisant des recherches, en préparant cette rencontre, de découvrir que cette tribu à laquelle appartient Neva n'existe pas, que c'est une invention. Première rupture du pacte de lecteur dans ce livre, où a priori donc, tout est crédible, mais tout n'est pas forcément vrai. Qu'est-ce que ça dit justement ces tribus du fin fond de la Sibérie qui ont leur propre langue, qui sont sur un territoire qui a été annexé par les Russes, qui sont russes, qui s'expriment convenablement en russe à l'occasion, ce qui fait la fierté effectivement de leur professeur. Pourquoi c'était important justement de parler de ce côté d'identité en fait des personnages à travers la langue ? Alors les Younets, effectivement, est une ethnie d'éleveurs de rennes dans cette Sibérie, dans le nord de la Sibérie, qui n'existe pas. Disons que les Younets, c'est la synthèse de plusieurs ethnies qui existent par ailleurs et sur lesquelles je me suis documenté et appuyé pour en inventer une autre. Donc on pourrait dire que les Younets, c'est une tribu intermédiaire entre les Yukagir et les Nénets. Enfin, dit comme ça, vous voyez, ça ne change peut-être pas grand-chose. Sauf que les Yukagir et les Nénets, ils existent, et les Younets, ils n'existent pas. Alors là aussi, ça m'intéresse beaucoup sur la question du vrai et du vraisemblable. Ça change quoi de parler d'une tribu ou de parler d'une ethnie qui existe et que les gens ignorent, ou de parler d'une ethnie qui n'existe pas et qui se situe finalement dans un même niveau de réalité. Donc toujours sur cette question du vraisemblable, ça m'intéresse. Ensuite, je tiens à ce que tous les détails sur ces tribus-là soient vrais.
Alors, ces younets-là n'existent pas, mais la façon, leur mode de vie, leur rapport aux animaux, la façon dont ils élèvent les rennes, leur rapport à l'immensité, au froid, à la nourriture, sont des éléments sur lesquels je me suis documenté sur lesquels ce dont je me sers renvoie à des références précises, concrètes de leur mode de vie. Alors, sur la question de la langue, il est évident que dans ces immensités sibériennes, qui sont des immensités dans lesquelles cohabitent finalement quantité de peuples, la Sibérie ayant été russifiée à des périodes différentes de son histoire, comme un front pionnier, un front de colonisation de la Russie continentale plus européenne, a vu défiler différents envahisseurs, les Yakouts eux-mêmes, puis les Russes. Et donc ces tribus, cette mosaïque d'ethnies qui élèvent les rennes dans le Grand Nord sibérien, pour certaines, elles ont conservé leur langue, pour d'autres, la langue étant en perte de vitesse. Mais en réalité, ils parlent tous russe. La russification a été très efficace avec... On peut s'imaginer la brutalité et le carroyage implacable imposé par l'administration. Tous ces peuples-là, on considère qu'ils parlent russe. Ce qui m'intéressait, c'est d'inventer aussi une ethnie, les younets, sur lesquels circulent des fantasmes. À savoir, est-ce qu'ils ont vraiment existé? Est-ce qu'ils existent vraiment? Comment ils se sont dispersés face à l'envahisseur? Et quel rapport ils entretiennent avec l'identité russe? Et voilà pourquoi on a besoin d'une interprète, parce que ces younets, c'est une des ethnies qui seraient les plus mystérieuses de ces immensités sibériennes et qui se serait, pour certains membres des tribus seraient partis de cette ethnie, seraient partis plutôt en Extrême-Orient, d'autres seraient restés sur place et auraient tout fait pour se faire oublier. Donc quand Tatiana apprend qu'il faut partir à la recherche de ces rennes radioactives contaminées par la radioactivité, et qui ces rennes qui appartiennent à des ethnies younets, il faut absolument trouver une interprète qui soit capable de parler russe et de parler younets. Et c'est pas si facile. D'où le rôle d'Hannibal, dont j'ai parlé précédemment, qui, lui, dans une coupure de journal, a vu qu'une jeune patineuse de 17 ans, issue de la minorité younets, parle un russe remarquable. Donc l'énigme, elle part de ça, elle part de ce lien avec la langue, ce lien avec le territoire qui va ouvrir sur une toute autre Russie et sur une toute autre Sibérie. Et comme cette tribu inventée me permettait aussi beaucoup plus de liberté pour pouvoir faire vivre des personnages qui entretiennent avec la Russie des rapports soit d'acculturation, soit des rapports qui refusent la domination, soit au contraire des rapports d'assimilation avancée, ça me permettait de décrire tout un éventail de situations face à la russification de ces territoires, avec des résistants, avec au contraire des collaborateurs, avec des personnes qui sont perçues comme telles, et qui bien sûr renvoient, pour ma part, qui n'ai jamais mis les pieds là-bas, à aussi un fantasme presque structurel d'un rapport qu'entretient les peuples colonisés avec ces couches anciennes d'acculturation. Donc pour moi, c'était à la fois une licence, on va dire, d'écrivain, de pouvoir me permettre un espace de liberté à travers cette tribu. Et ça me permettait d'évoquer des problèmes réels et concrets de la Russie contemporaine face à la russification, ou de la Russie plus ancienne face à la russification. Et ça me permettait aussi de toucher du doigt quelque chose qui est structurel au-delà de l'existence réelle de ces tribus. Voilà. Ensuite, il y a une petite coquetterie qui serait presque la coquetterie inverse de celle de l'ethnographe. L'ethnographe, il a l'habitude souvent de travailler avec des informateurs privilégiés, des personnages réels, et on change le nom de l'informateur dans l'écriture scientifique. Moi, ça me permettait de jouer un petit peu avec cette idée-là que l'ethnographe ou le géographe, il peut parler d'individus réels, de tribus réelles, et il peut en changer le nom sans que ne soit entamée ni attaquée la valeur documentaire ou la valeur informationnelle ou l'apport de connaissances de son travail. Donc il y a aussi cette forme de coquetterie à inventer des toponymes, la ville de Nerkoyansk n'existe pas, cette petite ville minière que j'invente, et les younets, effectivement, n'existent pas. Par contre, en revanche, les rennes radioactifs, eux, existent. Alors oui. Alors ça, c'est amusant parce que
ce à quoi je ne m'étais pas du tout attendu, c'est qu'on peut lire ce livre aussi comme un livre fantastique. Parce que si le lecteur n'est pas au courant qu'il existe effectivement des rennes contaminées par la radioactivité, qu'on peut donc qualifier de rennes radioactives, si, on en parlera peut-être tout à l'heure ou tout de suite, le lecteur ne sait pas qu'il y a aujourd'hui dans le Grand Nord un pillage des ressources profondes que constituent les mammouths qui sont congelés sous la glace, on peut aussi lire ce livre comme un livre fantastique. C'est-à-dire que si on n'a pas connaissance de l'exploitation des mammouths sous la glace et si on n'a pas connaissance de ces rennes radioactifs, on peut se dire, en fait, c'est un livre fantastique qui invente des réalités qui n'existent pas. Or, cette question-là des rennes radioactives existe bien. Elle n'existe d'ailleurs pas forcément... elle existe d'ailleurs assez peu en Sibérie, mais plutôt en Scandinavie, plutôt sur le passage du nuage de Tchernobyl qui a contaminé profondément les sols. Et si on mesure la qualité, enfin, si on mesure la radioactivité de ces sols, elle est encore forte. Les champignons, les lichens sont des fixateurs de radioactivité très puissants, enfin très efficaces. Et du coup, les rennes qui grattent la neige pour accéder aux couches de lichens, eh bien, s'empoisonnent avec le césium radioactif. Donc ça, c'est des réalités qui existent, plutôt en Scandinavie d'ailleurs, plutôt qu'en Sibérie. Mais ce sont des réalités qui existent, qui sont consécutives donc au passage du nuage de Tchernobyl dans cette partie du monde. Et la question des mammouths, avec le réchauffement climatique, mais pas qu'avec le réchauffement climatique, on a les profondeurs de l'histoire qui ressurgissent. Et il y a aujourd'hui un trafic d'ivoire de mammouth. Il y a plus d'un million de mammouths sous la glace dans cette partie du globe. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait à peu près 2 millions de défenses. Et du coup, c'est une ressource importante qui aujourd'hui fait l'objet d'un trafic et qui est très appréciée. Le travail de sculpture sur l'ivoire est très apprécié en Chine notamment et à Hong Kong en particulier. Donc, ces réalités-là existent. Et moi, elles me passionnent d'un point de vue historique parce que... notre rapport au temps et notre rapport au présent, ou plutôt viennent se télescoper dans notre rapport au présent, des couches d'histoire qui sont complètement hétérogènes et qui ne font absolument pas cas d'une conception, on va dire, très linéaire de l'histoire. Tout d'un coup, ce sont les mammouths qui ressurgissent. Tout d'un coup, c'est la radioactivité de Tchernobyl qui se mêle aussi dans ces régions du monde avec... tout un tas d'expérimentations militaro-industrielles à partir du nucléaire qui font que la Sibérie est aussi une région extrêmement polluée. Et derrière cette immensité blanche, derrière cette symbolique aussi de pureté naturelle, de ce confin de l'humanité que constitue la Sibérie, se cachent des réalités profondes, au sens propre et au sens figuré, et qui à tout moment peuvent ressurgir et qui aujourd'hui participent du présent des populations qui vivent là-bas. Ça m'intéresse parce que cette question de l'histoire m'intéresse beaucoup. Et cette question d'un présent dans lequel se télescopent plusieurs temporalités m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai l'impression que notre rapport à l'histoire, il n'est pas constitué d'une connaissance, on va dire, linéaire, ordonnée des différentes étapes qui se sont déroulées au cours du temps. Dans notre présent, viennent se télescoper des réalités historiques très hétérogènes et très hétéroclites. Et le mot télescopage, c'est un mot qu'emploie Walter Benjamin, par exemple, pour parler précisément de cet effet d'emboutissement de l'histoire et cet effet aussi de zoom du télescope qui vient mettre le doigt sur une réalité concrète. Alors ça, c'est mon arrière-boutique. Ça n'apparaît pas dans le roman. Je ne cite pas ce texte que connaissent bien les historiens et les philosophes, les thèses sur le concept d'histoire de Walter Benjamin. Mais ça a été pour moi un arrière-fond assez fort dans lequel, qui participe à la psychologie des personnages. D'ailleurs, le tigre, il est question d'un tigre qui est le fil directeur un peu que l'on retrouve dans beaucoup de chapitres. La figure du tigre, c'est finalement le portrait du père. C'est le père que Tatiana n'a pas eu, puisque je vais pas dévoiler toute l'histoire, mais Tatiana, son père a disparu, elle était très jeune, il a été plus ou moins enlevé par la police dans des conditions un peu troubles qui correspondent à la fin de la période soviétique. Et elle fantasme son père sous la figure d'un tigre. Et ce tigre, c'est précisément le tigre dont parle Walter Benjamin quand il, dans ses thèses sur le concept d'histoire, il parle du saut du tigre dans le passé. Donc j'en fais un petit peu, non pas un clin d'œil caché, mais pour moi un fil directeur.
Le tigre, c'est aussi la figure des prisonniers. Enfin, un tatouage, ces questions-là sont très documentées. C'est le tatouage des prisonniers des goulags. Il y a toute une typologie des tatouages chez les prisonniers du goulag. Et le tigre correspond aux personnes emprisonnées qui ont violenté ou qui ont assassiné ou qui ont porté atteinte aux forces de l'ordre. Donc derrière cette image du tigre, c'est à la fois le père de Tatiana qui a eu un rôle trouble dans la période post-soviétique, enfin avant l'écroulement de l'Union soviétique. C'est aussi donc le tatouage d'un des prisonniers ou des prisonniers qu'on va rencontrer dans cette Sibérie. Et troisième petit détail, mais alors là, c'est aussi un texte qui me marque beaucoup, un texte qui s'appelle L'autre tigre, un texte de Borges, qui essaie de définir un espace intermédiaire entre un tigre réel, celui qui existe vraiment aujourd'hui, entre le tigre littéraire, celui qui est écrit avec des mots, et pour Borges, dans un jeu très, très, très borgésien, mais il y a un troisième tigre, l'autre tigre, que l'écrivain essaie de trouver et qui serait un petit peu la rencontre de ces deux tigres. Et qui, pour moi, est un des moteurs de l'écriture fictionnelle, d'essayer de trouver cet espace intermédiaire qui soit ni tout à fait la réalité, parce que ça n'est pas possible que des mots la transcrivent, ni tout à fait simplement des mots qui s'enchaînent, parce que ces mots qui s'enchaînent renvoient à des réalités concrètes. Donc il y a une sorte de double impasse qui crée un espace intermédiaire qui, pour moi, est l'espace de la fiction. J'aimerais qu'on revienne sur la question du territoire et surtout de sa spatialité, parce que là, on n'est plus dans un schéma d'Orient Yankee, on était vraiment sur la frontière américano-mexicaine. Là, on est sur un territoire qui est très, très vaste et qui est quasiment inimaginable, même pour un lecteur, de se représenter justement les distances parcourues en avion, les distances parcourues par tous les personnages, vraiment entre Moscou, le domicile de Neva et le lieu où sont censées être les reines. Comment, là aussi, en tant qu'écrivain et géographe, puisque tu es quand même géographe de formation, parler du paysage, parler d'un territoire et de son immensité se concilie justement dans l'écriture d'un grand récit d'aventure. Alors ça crée une tension entre l'écriture scientifique et l'écriture romanesque, ça c'est évident. Moi je me suis beaucoup amusé en tant que géographe à parler d'un espace immense que je ne connais pas, où potentiellement tout est pareil. Alors évidemment que tout n'est pas pareil. Et puis, bien sûr pas le géographe qui va dire que tout est pareil. Mais j'avais envie que cet espace sibérien, puisque c'est aussi un espace fantasmé, j'avais envie que Tatiana sorte des cartes qui sont pratiquement vides, qui nous posent la question, mais qu'est-ce qu'une carte dans ces régions-là où tout est vide ? J'avais besoin de donner à voir et de décrire des espaces qui sont tout blancs. C'est pas simple de décrire un espace qui est tout blanc. Bien sûr, il n'est jamais tout blanc. Mais j'avais envie de jouer le jeu d'une description pseudo-géographique d'espace, en s'appuyant sur des outils, des compétences du géographe, alors qu'en fait, tout est pareil. Tout est pareil, c'est immense, et on ne reconnaît rien, et en plus, il y a du brouillard, et en plus, il y a une tempête. Donc, il y avait un jeu pour moi qui me permettait de mettre à distance les compétences réelles du géographe, tout en m'en servant pour parler d'une réalité paysagère très, très simple, qui serait des humains pris dans une tempête de neige, dans un espace enneigé infini, sur une carte où tout est pareil, blanc sur blanc sur blanc sur blanc, et en faire la description géographique. Voilà, ça m'excite, ouais. Et j'aimerais qu'on termine, non pas sur cette excitation, sur Pushkin, qui est cité à plusieurs reprises dans le texte, dont Hannibal et un lecteur attentif. Pourquoi Pushkin ? Est-ce que la littérature russe, et en particulier celle de Pushkin, a une importance particulière à tes yeux ? Ou que c'était un auteur qui te permettait d'en dire plus sur le personnage d'Hannibal ? Question très difficile. Vous avez 4 heures. Pushkin. Alors, je ne suis pas un grand lecteur, je suis pas un grand lecteur tout court, et je ne suis pas un grand lecteur de littérature russe. J'avais des souvenirs assez lointains de Tolstoï, Dostoïevski, Gogol, que j'ai un peu reparcouru pour le livre, parce que ça m'intéressait de me replonger dans cette écriture-là. Du coup, j'ai découvert d'autres romanciers moins connus, enfin que je ne connaissais pas, des très beaux textes sur la Sibérie, hein, le texte de Joseph Delteille dont il est question dans l'article, un très beau texte de Vassili Golovanov qui s'appelle Éloge des voyages insensés,
qui est un très beau texte d'errance initiatique, un peu qui m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a beaucoup marqué, pour en venir à Pouchkine, plus que Pouchkine lui-même, c'est André Markovits, traducteur de Pouchkine, parlant de Pouchkine. Alors là, peut-être que j'aime particulièrement les rebonds, mais moi, j'ai lu Pouchkine en écoutant André Markovits, qui est donc un spécialiste de la littérature russe et le traducteur, un des traducteurs de Pouchkine, et qui a sorti une traduction récente d'Eugène Onéguine. Il a tellement fait vivre pour moi la langue de Pouchkine, bien sûr que je ne connais pas, que je ne connaîtrai que à travers la traduction, que la lecture d'Eugène Onéguine a été très, très puissante grâce à Markovits. Alors ensuite, le personnage de Pouchkine, non pas sa littérature, mais le personnage de Pouchkine m'intéresse beaucoup parce qu'il permet de faire aussi éclater les stéréotypes identitaires. L'arrière-grand-père de Pouchkine était noir. C'était un esclave africain qui a été racheté par l'empereur Pierre le Grand, qui a servi ensuite de secrétaire à l'empereur Pierre le Grand et qui ensuite est passé général en chef des armées. Donc c'est quand même assez jouissif de se dire que le général en chef des armées de Pierre le Grand a été un esclave noir, probablement qui vient soit d'Éthiopie, soit plutôt, on va dire, de la région sahélienne, les historiens ne sont pas d'accord, qui est donc l'arrière-grand-père de Pouchkine, qui représente la figure tutélaire de la littérature russe et qui représente une forme aussi de crispation de l'identité russe. Donc je trouve ça très savoureux que dans une période où on est tellement crispé sur l'authenticité des identités, il faut que les identités soient authentiques pour ne pas dire pures, je trouve que le personnage de Pouchkine est de ce côté-là extrêmement rafraîchissant. De se dire que la figure tutélaire de la littérature russe, et avec les débats actuels identitaires en Russie qui sont complexes, soit un descendant, enfin que Pouchkine soit un descendant d'un esclave africain, c'est quelque chose qui, d'un point de vue littéraire, je trouve, enfin d'un point de vue historique, je trouve assez génial, et je trouve que l'importance que l'on peut accorder à ce petit détail correspond bien à ce qui m'intéresse chez les personnages de fiction comme dans la vie, à savoir cet éclatement des stéréotypes. On est tous pris dans des pesanteurs c'est un corps, c'est une pesanteur historique, ce sont des habitudes, c'est un quotidien. Et j'aime bien que ces habitudes, que cette gravité, soit gravité dans les deux sens du terme, ce qui est à la fois grave et ce qui est à la fois lourd, puisse éclater à tout moment par des petits détails qui renvoient à toutes ces possibilités infinies que l'on a devant nous pour se libérer de cette gravité. Pour moi, l'image de Pouchkine et sa vie en témoigne aussi, il est mort dans un duel, sa vie en témoigne aussi, me parle de cette capacité, de cette tension entre finalement la liberté que nous avons et la gravité du monde qui pèse sur nous. Je trouve que ce personnage-là, Pouchkine dans sa vie, est très évocateur de ça. Donc oui, je parle de Pouchkine parce que Hannibal, voilà pourquoi il s'appelle Hannibal, puisque c'est le nom de l'arrière-grand-père de Pouchkine. L'arrière-grand-père de Pouchkine s'appelait Abraham Hannibal. Donc lui, il veut qu'on l'appelle Hannibal, parce qu'il aime Pouchkine, parce que son père aimait Pouchkine, parce que son grand-père aimait Pouchkine, et parce qu'il prétend que son grand-père a même connu l'imbécile qui a tué Pouchkine. Donc il y a cette filiation à travers le temps, de cette relation à ce personnage, qui permet à Hannibal de rappeler toujours cette possibilité d'affranchissement vis-à-vis de cette gravité. C'est aussi pour ça qu'il vole, qu'il est pilote d'avion, pour que cette gravité puisse être dépassée par cette liberté offerte par son Antonov. Donc oui, ce personnage d'Hannibal dans le livre et cette connexion avec Pouchkine, elle est importante. Et puis Pouchkine, Eugène Onéguine en particulier, est un ouvrage qui est vraiment à l'articulation entre la culture savante et la culture populaire. Beaucoup de Russes apprennent Pouchkine, lisent Pouchkine, connaissent des passages entiers de Pouchkine, et c'est ce qui arrive au personnage. Donc c'est aussi un lien intergénérationnel entre Neva et Hannibal. Neva, elle a 17-18 ans, Hannibal, on ne sait pas trop, mais disons qu'il a une petite... Il est, on va dire, allez, entre 60 et 80 selon son humeur. Ils ont deux générations d'écart. Ce qui les relie, c'est la littérature russe. Et c'est ce personnage de Pouchkine. Et c'est cette œuvre Eugène Onéguine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.